La société FinSARL Unipersonnel est une société du développement de droit congolais œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement, la promotion des filières agricoles et pionnière de la culture de macadamia afin de réduire les déboisements, le chômage, la pauvreté et booster l'économie des agriculteurs en République démocratique du Congo avec une implémentation qui se poursuit dans les territoires et provinces du pays par nos équipes. Mission: vulgariser la culture de la plante macadamia auprès des agriculteurs de la République démocratique du Congo pour en faire une source de revenus et un médicament pour la population. Vision: faire de la plante macadamia une nouvelle culture d'exploitation en République démocratique du Congo via l'implantation d'une usine de transformation. Objectif: mise en place des pépinières de macadamia dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Activité: vulgarisation, production et transformation de la plante macadamia, promouvoir l'entrepreneuriat agricole, agri-multiplicatrice des semences, consultance aux projets agricoles, formation professionnelle, crédit agricole, pisciculture, apiculture et autres élevages, import-export des produits agricoles. Nous sommes opérationnels actuellement dans la province du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Tchopo, Sankuru, Bakongo, Kinshasa et voulant s'étendre sur tous les territoires nationaux du pays. Aujourd'hui, le village des Minova connaît une nouvelle culture, rare dans tous les territoires de Kalehe et presque toute la région de l'est de la RDC. C'est la culture du macadamia, découverte par les aborigènes il y a 500 ans. La société FIN est la toute première organisation à avoir initié cette culture dans les territoires de Kalehe pour booster davantage son économie rurale et lutter contre la déforestation que connaît la région il y a quelques années suite à la coupure incontrôlée des arbres. L'équipe de la société FIN compte planter au moins 100 hectares de macadamia dans le territoire de Kalehe, où cette culture est favorable selon les responsables de la dite société. C'est la culture rare dans la région de Kalehe avec des techniques de germination aussi nouvelles qu'aucun habitant connaissait. Seule la terre sablonneuse et les climats chauds est appropriée à cette culture. Dans peu d'années, le territoire de Kalehe serait l'une des régions les plus productrices des noix de macadamia. Des noix qui pourraient être utilisées dans la production de l'huile sans cholestérol, des charbons, arachides des macadamia, farine de macadamia et favoriser l'afforestation de la zone. Avec la main-d'œuvre locale, la société FIN compte plus s'appuyer sur son courage afin d'émailler tous les territoires de Kalehe avec des plantations de macadamia. Une culture qui, suite à sa rareté et à son rôle dans plusieurs domaines de la vie, peut sans doute booster l'économie locale au-delà des autres cultures. Les noix du macadamia peuvent produire de l'huile qui protège la peau et les cheveux, notamment contre le rayon UV. Régénérante, nourrissante et cicatrisante, elle aide à faire face à des problèmes comme des vergetures qu'elle atténue et les jarcures. La cité des Minova n'est pas la seule à avoir connu la société FIN. À Beni, au Nord Kivu voisin, les pépinières de macadamia y gémissent. Cette société tend à couvrir toute la République démocratique du Congo avec des plantations de macadamia. C'est ainsi que cette culture peut contribuer énormément à l'économie du pays une fois sa production est forte vu sa teneur, notamment dans la production de l'huile. La société FIN, au-delà de la culture du macadamia, appuie aussi les agriculteurs et coopératives agricoles locaux dans d'autres cultures comme celle du café, cacao, des fruits et quinquina et aussi des plantes marchères. Il faut monter sur des montagnes et descendre dans des vallées à la recherche du bien-être de la population locale. La société FIN est devenue une solution aux problèmes des agriculteurs. C'est un espoir déjà qui s'est installé dans toute la zone où cette société déroule ses activités, notamment à Beniville et Beni Territoire, Boutembo, Kindu, Komanga, Sankuru, Walikale et ici à Kalehe. Merci de travailler avec la société FIN, votre partenaire fiable et professionnel.